Pause. Vous l'avez appris, l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement gabonais, a voté pour la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays. En fait, c'est une légalisation. Parce que en droit, ce qui n'est pas interdit est permis. Retenez déjà le principe. En droit, ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, on a légalisé l'homosexualité. Beaucoup avaient pensé jusqu'à la dernière minute que cette loi ne passerait pas au regard de nos habitudes, au regard de nos traditions qui tranchent avec l'homosexualité. Et il y a eu une réticence à l'Assemblée nationale. Beaucoup de députés ont dit, on ne vote pas. Ils ont dit au président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, qu'il n'allait pas voter pour la dépénalisation parce qu'elle tranche avec les valeurs morales du Gabon. En tant que jeune Gabonais, je condamne les députés qui ont dit oui et ceux qui se sont abstenus. Sincèrement, on a des vrais problèmes au Gabon. Ben, moi, ce que je dis de cette loi, déjà, vraiment, le débat n'a même pas lieu d'être actuellement au Gabon. On a beaucoup de problèmes au Gabon qu'on doit traiter. Moi, ce que moi, je veux dire à nos autorités, n'attirez pas la colère de Dieu dans notre pays. Vous êtes conscient que l'homosexualité n'a pas lieu d'être au Gabon. Ce n'est pas la motivation d'un corbe calé, un corbe calé. Viens nous expliquer. Quelle est l'ambition aujourd'hui de vous dépénaliser l'homosexualité? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui vous voulez dépénaliser, vous voulez amener les problèmes là où il n'y a déjà pas beaucoup de solutions? Pourquoi vous voulez accentuer le problème? Est-ce qu'on n'a pas autre chose que l'on doit revoir au Gabon? Parce que quand vous dites aujourd'hui là que vous voulez dépénaliser l'homosexualité, vous allez dépénaliser ça à quel niveau? À quel niveau? Bon, ça veut dire Aïlina. Bon, ça veut dire que pasteur se marie. Hein? Il se marie. Bah, que là. Donc nous maintenant au Gabon, nous allons les célébrer les mariages. Ça veut dire qu'un homme peut rassembler la famille pour aller doter un autre homme. Donc une femme pourra faire le mariage. Parce que la coutume, parce que quand on parle de dépénil, parce que une relation homosexuelle, c'est une union entre deux individus de même sexe. Bon, si vous leur dites qu'ils ont maintenant le droit de s'unir, ça voudra dire à un certain niveau qu'ils auront le droit de se marier par la même occasion. Bon, encore calé, donc ton enfant, tu es là avec ton fils, te dit que papa, je viens me marier à la coutume. Ton fils, encore calé, oui. Et tu réunis la famille et tu le vois débarquer, tu vois un autre homme débarquer pour venir épouser ton enfant. Au cours il y en a le sous-sou. Non, tu avais ton enfant à la maison. Ou bien ton petit-fils. Tu es assis. Non, bah, il m'a dit, alors, bien, il y a quoi? Maman absorbe cotisation, les réunions de famille. Et puis, ton fils, voyez un costaud enfant débarquer pour dire que c'est lui qui vient épouser ton enfant, le garçon. Non, vain. Mais vu que Dieu a dit, nos morts vont dire quoi? Que c'est normal ça? Le mariage coutumier, la dot, on a des problèmes, la polygamie, on doit revoir ça au Gabon. Comment on fait pour adapter, pour légaliser la polygamie? Comment on fait pour regarder la dot, le mariage coutumier? Vous ne regardez pas là où il faut regarder nos coutumes, ni en carte membre homosexualité. Attends, bien là, le sous-sou. Quel est votre problème au juste? Encore, est-ce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est bien? Hein? Mais enfin. Donc vous voulez rendre légal l'homosexualité au Gabon. Les gens ont maintenant le droit d'aller à la mairie, d'aller faire la dot. Parce que c'est ça la suite. C'est ça la suite. La suite de la dépénalisation de l'homosexualité, c'est quoi? C'est une union. L'homosexualité est une union.
ne sont pas construits. Aujourd'hui, vous venez nous parler de la dépénalisation de l'homosexualité, mais vous aussi. Moi, je ne sais pas si le Gabon est un pays chrétien ou un pays diabolique. Parce que nous savons que la loi vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi la loi. Mais nous devons suivre les principes de Dieu si nous voulons rester dans le cadre de la loi de Dieu. Maintenant, si on veut tailler la loi à notre mesure, selon nos désirs, alors là, on sort du cadre de Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui a dit respecter les autorités. Mais de quelle autorité il s'agit-il? Nous, leaders des églises de réveil et charismatiques, condamnons avec la plus grande fermeté la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon, qui ne répond pas à notre foi chrétienne, à notre culture africaine, à nos us et traditions bantoues et à nos mœurs communautaires. La Bible ne déclare-t-elle pas, dans Lévitique 20, au verset 13, « Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. » Dans Romains 1, de 25 à 27, la Bible déclare « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Maintenant, s'il y a autre chose, si c'est la dépravation comme je l'ai entendu, dans nos mœurs ça n'existe pas, ça ce sont les animaux. Donc pour moi je ne suis pas d'accord qu'il y ait dépravation de nos mœurs. Ça je ne pourrais jamais accepter. Nous sommes d'abord un peuple bantou. Et nos coutumes et cultures ne permettent pas que nous puissions même parler de l'homosexualité. Moi je suis un pauvre et chez nous les pauvres, même quand ton frère est homosexuel, c'est, on peut dire, c'est une malchance. C'est quelque chose, une malédiction familiale. Et en tant que guerrier pauvre de mon lobby, j'ai dit non à l'homosexualité au Gabon et en Afrique. En tant que Gabonaise, je n'adhère pas à cette loi. Et moi, je ne veux pas parler seulement en tant que Gabonaise, je veux parler en tant que chrétienne. Et je veux parler selon les Écritures bibliques. Selon les Écritures, il est dit dans le livre de Lévitique, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils sont faits tous deux d'une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux-mêmes. Donc pour moi, l'homosexualité n'a pas le droit d'être votée dans le pays, le Gabon. Je crois que nous allons reprendre ce que lui-même, le président Bongo, notre deuxième président après Leumba, il a dit, avant de partir, il nous a dit, nous avons fait du Gabon ce qui n'a pas été demandé. Et je crois que c'est ce que nous continuons. Au lieu de suivre les conseils d'un sage comme lui, qui a voulu que ceux qui devraient suivre, devraient changer. Mais on est en train d'aller toujours dans le sens qui n'arrange pas la population ou le pays. J'ai pour habitude de dire, Gabonais, nous sommes. Gabonais, nous resterons. Pensons à notre pays. Pensons à notre jeunesse, nous croyons en Dieu. Et Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Que Dieu protège le Gabon, je vous dis merci.